sabari ki sabari alors monsieur le parrain amna kado bi nga sandi ci wolof ci français c'est bon merci may ni wa kabini ni goor ni jigen ni pamu mer contane lañu torop parce que ñun yépp bo sété ñu joggé ci lu bo sété ñu joggé ci lu ñu yépp ay xalé lañu parce que digënde bu nek suñu digënde ak kabini duma tu jullu suñu digënde ak kabini neexna lool vas-y vas-y continue continue neexna lool parce que bo sété bé sét li du dara ko kessé la waa parce que waa cabine la ñuy yëg moo tax ñu pare nga ko du dara du affaire xaalis du affaire leneen man du ma dara simple nit la kontaan naa trop aw ma saf ma koy teg mais affaire bi daf ñu bett bu neexee yàlla day gën a dem ci kanam aduna du dara dama ànd la ay suma grand suma mag yi waaye ma jox la dem sama yi sandi kadu voilà donc merci beaucoup Antou Badi. En tout ça, je vais commencer d'abord par remercier le chef de village de Kabili, l'imam Ratib, la présidente du groupement féminin, le président de la jeunesse de Kabili. Remercier aussi les deux écuries, celle de Kouranak et celle de Sinja. Et les remercier encore pour ces prestations et lancer un appel, dire que ça reste de la lutte. Que ça reste que du sport. Voilà, sûrement il y aura quelqu'un qui va gagner. Et que Kabili continue encore vraiment à inviter des gens. Et peut-être un jour on aura l'occasion, donc Kabili va inviter des grands lutteurs. Je ne sais pas, peut-être Balagé, un jour il va parrainer. Voilà, en tout cas on le souhaite. Donc pour le cas de mon frère Antou, il tenait vraiment à remercier la population de Kabili. On n'a pas regardé sur sa richesse, on n'a pas regardé sur son âge, on a regardé seulement que peut-être c'est un jeune qui, dans ses activités, contribue au développement surtout donc, de sa localité. Et il remercie, et il est accompagné d'une forte délégation de l'AIC Doumassou, qui est aussi jumelle de l'AIC, avec de l'AIC Kabili. Donc on est venu pour l'accompagner, magnifier donc, cette fête. Dire merci à ses papas, à nos mamans qui sont là. Merci, on ne saurait tarder. Je sais que les lutteurs vraiment sont pressés de s'affronter. Et encore, nous lançons un appel qu'on a besoin de ces activités pour que la jeunesse de la Casamance puisse se retrouver pour aller vers l'essentiel, développer notre Casamance. Et je ne saurais tarder sans remercier M. Lahat. Et c'était ça le message du parrain. Merci. Applaudissez très fort. Alors,
Thank you.